Gigandet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le représentant de l'association et le fondateur de l'association Open Food Facts. Alors, qu'est-ce que fait cette association ? Alors, Open Food Facts, c'est un peu comme le Wikipédia des produits alimentaires, comme ce ketchup, par exemple. On est 2000 bénévoles dans le monde à scanner les codes-barres qui sont sur les produits avec une application iPhone, Android, etc. Et puis on prend des photos des produits, de la liste d'ingrédients, du tableau nutritionnel et on met tout ça dans une base de données libre et ouverte sur le site openfoodfacts.org. D'accord, donc ça c'est l'aspect C2C. C'est-à-dire, bon, moi, en tant que consommateur lambda, ben, lorsque je vais être avec mon téléphone, je vais pouvoir retrouver, en fait, tous les ingrédients du produit, etc. Est-ce qu'on va au-delà de tous les ingrédients ? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, il y a peut-être, pour les produits allergènes ou les produits... Alors, tout à fait. D'accord. En fait, on est de plus en plus à faire attention à ce qu'on mange pour beaucoup de raisons différentes, comme les personnes qui sont allergiques ou intolérantes au gluten, absolument, au lactose, etc. On fait quelque chose aussi qui a été proposé dans la loi santé en avril dernier. C'est des notes nutritionnelles ABCDE qui sont sur le devant ça, des aliments. Ouais. C'est un peu le même principe que les notes énergie des frigos. Aujourd'hui, on n'achèterait pas un frigo s'il n'est pas A ou A+, A++. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, donc c'est un projet de loi, sauf que les fabricants n'ont pas du tout envie de mettre une absolument. Note. Absolument. Donc nous, ce qu'on s'est dit, on va le faire quand même. Et donc on a contacté le professeur Erkberg du Programme National Nutrition et Santé qui a proposé ce projet. Il nous a donné la formule. Et on a sur notre application Open Food Facts, en fait, on peut, je ne sais pas si on va voir avec la caméra. Ou vous peut-être se rapprocher de la caméra ? Non, on ne se rapproche pas. Alors, je vais essayer de scanner mon ketchup. En fait, on reconnaît le ketchup comme ça. Et là, il m'a affiché la note nutritionnelle du produit. C'est génial. Et là où on est très content, c'est que non seulement le professeur nous a donné la formule, mais en plus... Il nous a demandé nos données parce que il a pas lui-même une base de données de produits pour pouvoir affiner sa formule. Donc, il nous a demandé nos données pour pouvoir affiner cette formule. Et ça fait l'objet d'une publication scientifique dans deux journaux scientifiques. Donc, c'est une manière, en fait, de faire de la science citoyenne. Absolument. Juste en scannant des codes-barres, en prenant des photos, on peut faire quelque chose pour la santé publique. Alors après, il y a l'aspect aussi professionnel parce que vous allez un tout petit peu plus loin. Et les professionnels peuvent aussi faire analyser, en fait... sur les produits, ce qui s'est passé ? Alors, tout à fait. Donc, notre base, c'est une base... on fait ce qu'on appelle de l'open data ou des données ouvertes. Absolument. Donc, il suffit d'aller sur le site openfoodfacts.org et vous pouvez télécharger toute la base et en faire d'autres choses. Donc là, pour l'instant, il y a une quinzaine d'autres... soit d'autres associations, soit d'autres particuliers ou des entreprises même qui utilisent nos données pour faire d'autres applications. Donc, par exemple, il y a Terraillon qui fait une balance connectée qui permet de compter les glucides, les lipides, etc. dans ce qu'on mange. Il y a un développeur qui a pris nos données pour faire une application pour les diabétiques, pour qu'ils puissent savoir, en fonction de leur activité, de ce qu'ils ont mangé, combien de quantités d'insuline ils doivent s'injecter, à quel moment. C'est des applications très diverses, parce que voilà... C'est super. Comment vous voyez évoluer tout ça ? Alors, on a en fait... On s'est beaucoup inspiré du modèle de Wikipédia et surtout d'OpenStreetMap. Donc, c'est des projets qui sont citoyens. On est une association en 1901. On est tous bénévoles. On a tout notre temps. On n'est pas une start-up. On n'a pas besoin de grandir comme ça pour satisfaire des investisseurs. Donc, on a beaucoup d'idées. On a beaucoup de projets. On cherche des gens qui peuvent nous aider à faire tout plein de choses. Donc, pas seulement, effectivement, prendre des photos des produits, mais aussi nous aider à développer, à venir présenter sur des salons le projet, etc. Et à vous aider à communiquer, moi je suis preneuse. À communiquer, alors effectivement, on n'est pas très, très doué en communication, donc si on cherche des gens qui peuvent nous aider avec plaisir. Et c'est très gentil. En tout cas, merci infiniment Stéphane, joli projet, et c'est vraiment sympa. On a envie d'adhérer en tout cas. Merci beaucoup, il suffit d'aller sur le site Open Food Facts, télécharger l'application et puis commencer à ouvrir son frigo, ouvrir ses absolument. Placards et scanner tout ça. Ok, merci. Merci encore. Au revoir.